bonjour Robinson, bonjour Berson, bonjour Daniel, bonjour tout le staff magique neuf là. Peuple haïtien, un gros bonjour patriotique. Robinson, pour retrouver nous là, c'est ça, c'est lui-même qui fait contact. Non, c'est pas là. Allez-y, Ben, allez-y. Merci, sénateur Sven Benoît, pour cette débité. Et là, depuis l'assassinat président, c'est en pile réaction. Chaque mon proposition sous différents angles par rapport à la réalité que nous avons vécu aujourd'hui. Là, et ou même vous avez des positions sur plusieurs points. D'abord, on nous a dit à 649 conseillers, hein, et que, ironiquement, Julien Jodia, là, c'est sous lui, pour voir ça à l'immunité, lorsque nous connaissons pour voir ça à l'immunité, sur référendum. Et comment vous même vous comprenez, à 600, Claude Joseph, Premier ministre, il y a lié, évoqué, pour le paraître du pouvoir, pour le convoquer, et conseil des ministres, et pour mettre le PIA en état de siège, dans situation là. Réaction et compréhension sur ça, sénateur de moi. Et merci pour la question. Tant pis, bon, moi, 20 secondes pour moi couper bien bas devant des pouilles. Tout le monde qui nous sont mourus dans le massacre qui sont fait là ces derniers mois, et plus particulièrement devant des pouilles, président de la République, là, même s'ils sont opposants de à Jovenel Moïse, à PHTK, nous-mêmes, nous ne pas jamais prôner la violence et nous condamner, même bien nous faire une émission radio, nous passer tout ce semaine-là. Nous condamner avec la dernière rigueur, massacre, assassinat qui se fait par le président de propre même sécurité lieu. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, l'enquête là a révélé, puis devant, ce n'est pas Colombien que ce président, c'est sécurité lieu même qui tue. Maintenant, article 59. Article 59, là, dans la Constitution, qui soit disant en vigueur là, que même. Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité lieu qui tue. Nous ne voyons pas qui tue, mes amis, vidéo. 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. C'est un grand pick-up qui était pris panne. Nous, qui était tombé dans la rue, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, parce que même on connaît ses employés, l'État haïtien. Et c'est pratiquement si enquête a révélé, c'est même eux-mêmes dans la boule, que ils habitent. Pétionville depuis des semaines, qui est là depuis des mois, ce sont des employés, des contractuels de l'État haïtien, pas rien de doute tout ça, mais en titre, Léon Charles continue de mentir, éventuellement la vérité sortira du puits, et population, qui fait qu'on est déjà lui-même, et pas bien condamné à ça, à faire sous les Colombiens, à faire une aide ou, venir de la police là, et je dis à la n'est pas fait politique à ça, mais vraiment dit la vérité a sorti dans le puits. Dans les heures ou jours à venir, il n'est que la preuve. Même Jean-Luc, sénateur, même Jean-Luc, on est posé une question sur le genre de résultat rapide de l'enquête. On demande ça, quand on a une information sur ça, vous-même. Information sur ça, monsieur, vous pouvez faire un petit minute d'intelligence, on y garde les timelines, on garde les vidéos, et de toute façon, on peut exactement à qui veut mourir. Heureusement, Martin Moussa a mourir. Donc, moi, je dis, en quitté, autorité, au travail, je me déblais, je me hier, je me bloque, et nul, mais je mourir. Parce que, vous remarquez que c'est ISTN qui l'a fait, l'ISTN qui a fait sécuriser le président et palais national. Vous remarquez que c'est ISTN qui a fait la chasse aux Colombiens, et vous connaissez Cubain qui est victime, les Mexicains qui est victime, qui paraît les 10 communes là, qui est victime. Moi, je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population, pour dire attention, non pas qu'il y ait amalgame à faire, il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça. Donc, moi, je dis attention, et il y a un amalgame qui fait, même si vous recevez de toute façon, bien sûr, nous avons responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est ouf. Comme des bouquets par ça dans Magic 9, nous faisons pour la Constitution qui est en vie, n'est pas permis. Monsieur Claude Joseph, présenté comme premier ministre. D'ailleurs, Magic Claude Joseph, toute nouvelle, sans stress, sous 5.9. Sénateur, président, oui. Sénateur, je ne sais pas position il y a dans là, mais la coupé de temps en temps, si tu es capable de faire un petit peu de temps là, comme d'habitude. Avec documents devant, constitution et quelques documents. Eh bien, ok, c'est ce qu'on compte, on va aller, mais la fête. Oui, c'est même quand je ne suis pas déplacé. C'est quand même, effectivement, même si tu as.
Continuez. Toute nouvelle. Alors, l'article 59 est clair. Mais avant maintenant, l'article 59 là, on dit Claude Moïse et Claude Joseph n'ont pas ni qualité pour le même chita pour le chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé pour même poker pour Jovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, M. Claude Moïse, mais après acte de principe la fin d'ailleurs, M. Bagnan, qu'il y a une chance pour rien encore dans le pays. Ceci étant dit, en réalité, la Constitution. Article 49, il clairement dit, trois premières années, si le président est capable, il démissionne, l'assassine, il mouille, il a sacrifié là, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas là, premier ministre là, qui, premier ministre, a remplacé, même si le premier ministre a dit, le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace. Et c'est pour 120 jours pour faire élection, mais moins de 120 jours pour mon nouveau président qui finit. Quatrième et cinquième année, mandat, je dis à un grand débat, est-ce que nous sommes quatrième année, moi-même, moi, je pense que nous sommes cinquième année, et cinquième année a fini, mais si on dit que nous sommes tel Jovenel Moïse, et on dit lui-même, il a dit que c'est ce qui m'a dit la commencé là, qu'a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, on a tel que le mandat est fini. On prête tel ça, que y a quelques mounes, quelques 1% de pays qui finit. Non, quatrième et cinquième année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate que le président pas là, qui se réunit de chambres, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui met au monde premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la, Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le gouvernement, ni parler dans le nom de l'État haïtien, ni parler comme ministre. Ce Claude Moïse et Claude Joseph, je dis à la, il n'y a qu'une qualité pour faire ça. Là. Deuxième bagaille, nous, par contre, Claude Joseph n'est pas premier ministre de mon pays. C'est un usurpateur de titre lié et lié pour payer à répréhensible l'affaire avec Madame Laligne. Là, nous clarifions ça. Et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sortis une résolution. Et je vais dire où elle est. Le civil là, et moi-même, signataire de cette résolution, nous condamnons coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur la réalité, sur la situation qu'il y a, sur la réalité avant l'assassinat du président, l'innommé. 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre. Dans la nuit 6 pour 27, il y a assassiné. Et qui est-ce qui était en poste? C'était Claude Joseph avec comme premier ministre AI et qui était en poste avec tout le cabinet. Après l'assassinat, le président, comment pays a-t-il levé? C'est Claude Joseph qui était doué retirer l'école par Ariel Henry qui partait au gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui gagne un moniteur, non, mais bon, comme du tout, lui-même, des films, des fois, sur notre, j'étais un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de parlement, pas passé devant le parlement, et nous avons dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que, vraiment, c'est incroyable, le président était de facto depuis le 7 février 2021, tout acte, et malheureusement, c'est le monde qui pouvait parler, mais c'est la question, ça, tout acte que le président de facto, qui prend après à partir de 7 février, à partir de 11 février 2021, c'est nul et non avenu, et moi, je continue à camper derrière ça, je suis sûr que après le 7 février jusqu'à qui assassiné là, il a gagné le pouvoir de la force publique avec elle, pour 99,9% de la population ne pas reconnaître lui. Mais il était là. Ils ont des contrôles de l'ingresse nationale, ils ont des contrôles de moniteurs, ils ont des contrôles. On a fait même, c'est pas nous, même, c'est pas nos parités qui ont assassiné les présidents. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous n'avons jamais pris de la violence. Maintenant, gros monde qui ont document dans même, parce que quoi ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je n'ai pas jamais dit au premier ministre comment pour installer, c'est un baril qui est fait dans la caillou, pas un mot de gagné qui introduit ou introduit la et puis la caillerie, qui est cérémonie côté le premier ministre partant du coup bel discours, moi depuis un monde où on l'est, premier ministre longtemps, mais au premier ministre, ou désigné pour aller devant le parlement pour étudier le dossier, un premier ministre de facto, qui est le Ariel Henry, et moi-même, moi pense à demain, pour le descendre à la primature, même pas même dans la résidence officielle,
à la primature. Pour moi, ça y est, j'ai suscité sous puissant derrière. Moi, tout le monde caché et mis ça. Alors, je vais être là-bas. Même, c'est comme ça, procédure là, ça y est. Pour premier ministre de Papoua, descendre la primature, prendre charge provisoirement, dans ce pays, il faut que mon capitaine a fait, il faut que mon pilote a fait. Et, c'est ça lui-même, pour le convoquer. On est proche du pays rapidement pour une conférence, pour une réunion. Et c'est nous, une crise politique, donc il faut une solution politique à la crise politique pour te convoquer immédiatement le Sénat de la République, qui est la seule institution debout dans le pays. Il y a 10 sénateurs qui ont aimé, qui ont pas aimé, qui ont été bien nommés, qui ont été mal nommés, qui ont été mal élus. Il y a 4 ennemis qui ont vu des privilèges assez intéressants. Et il y a plus là-dedans, c'est Moun Lakayo dans le département qui mettait. Donc ce sont des élus. Donc, même pour parler, mais vous pensez, Sénat, il faut le consulter rapidement, pour le prendre position rapidement. Et, je dis à là, il faut que vous ayez une décision qui prend, on est une résolution Sénat, et Premier ministre de facto à Kibla, pour vous mettre tête rapidement, sans l'intervention de l'international, pour vous dire, mais ça nous constate, pas oublier, nous pas dans la constitution depuis 7 février 2020. Donc, je veux dire, son solution politique. Et si solution, cab, un consensus, entre guillemets, largement large, de une grande frange de opposition, de société civile organisée. D'ailleurs, il y a une commission, et une commission qui pour essayer de une solution haïtienne à crise haïtienne, que moi, je m'appuie 100%. Il y a plusieurs commissions de la société civile qui travaillent, dont Baroyo, etc. Et les droits humains, etc. Donc, je pense que pour tout le monde, il y a des offres hier, mais quand on a fait ça, sénateur, pour tout le monde réunis le plus rapidement possible pour une nation, un gouvernement de transition, quid de tête, mais un président avec un problème de transition qui pour rapidement mettre l'ordre des autres dans cela, ça fait un an, pour des pays pas gagner l'ordre. C'est besoin qui te caractérise le gouvernement ça pendant ces derniers 4 mois et demi. Ok, sénateur, nous allons libérer dans 2 minutes. Tout le monde a dit, quand tu figures ça au bail là, il faut qu'on prenne d'un jour, c'est malade, c'est Covid, c'est fait le coucher dans la cabane de l'imoui. Ça s'assassine et assassine. Donc, quand tu figures au bail là, et le fait qu'il y a assassiné là, on prend l'autre et point qui n'entre, on prend d'autres facteurs qui viennent entrer là que nous ne connaissons pas. Donc, c'est ton mot naturel, président. C'est maladie, t'es maladie, mourir. Non, mais remarquez que l'information et la situation avait volé par exemple hier, nous étions supposés parler, nous avons eu aujourd'hui pour nous parler de l'état d'urgence et l'état de siège. Et le Sénat n'a pas parlé, c'était la besoin en train de parler, d'ailleurs qui signe, qui a donné au palais national, alors que nous parlons de palais national, mais dit qu'on mourit, qui a fait usurpation de type. Avec support quelques grands de monde, pas dit tout à soi là. Il y avait un monde de l'international qui actuellement là en Haïti, qui a fait des ordres, mais me dit que nous-mêmes Haïtiens, qui gagnent 3 en pile, nous gagnons 3 et demi, nous avons gourmé en bas gouvernement de facto criminel ça. Je dis à mes dix peuples haïtiens, nous pas qu'à quitter pour ça passer. D'ailleurs, où est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un état de siège. Pour dire que les gens qui ont été ouverts, ils ont été 78.1 de la constitution en vigueur claire. État de siège déclaré, le bon invasion étrangère, que je sache, pas d'invasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si on a guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas de guerre civile. Il y a quelques gangs qui ont fait des ordres, mais pas de guerre civile, car on peut piquer, et ainsi de suite. Donc, un, le rendu à Bakébé. Deux, je dis le président pour déclarer sa siège, c'est devant l'Assemblée nationale là pour l'Intel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer sa siège, c'est avec assentiment parlement. Je dis le parlement n'existe pas. Et 10 sénateurs qui l'ont, que je sache, donc, il y a le sénateur du moyen, il n'a pas été consulté. Donc, c'est Oumoun qui est le secteur, premier ministre et je veux dire, il trouve le président qui nous l'a arrêté à l'éditonner au palais national. Et lui, maintenant, déclaré l'article 149, la fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous, même, dit et maintenu
politique. Pas de politique, non, je vais dire, et ma fini là, moi, demander toute force vive pays, les partis de l'opposition, pour une fois, un point fort, je me connais chaque monde d'arrêté, chaque pays au premier ministre, chaque monde d'arrêté, chaque monde d'arrêté au président. Nous, il y a comme ça, nous avons urgence, nous avons un monde, nous avons un futur tyran qui vient de pays à nommer, mais un usurpateur de tripier, c'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime de Africa, qui fait tellement de mal à pays, nous n'avons pas quitté coup d'état dans le coup d'état, merci. Continuer. Donc, moi, je demande aujourd'hui pour le Sénat et à travers le président, pour une opposition rapide, rapide. Je demande à la société civile organisée et au compliment. Hier, vous pourrez être plus d'une cinquantaine de personnalités, en pile leader de partis politiques. Nous saluons le premier Laval à la cité là, nous saluons le petit Bézal qui est là, nous saluons le combi qui est là, international qui est là, le FPP qui est là. Donc, merci, oui, nous finissons. Et moi, je dis à la société civile là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo, avec le sénateur ou bien le Sénat, c'est parce que c'est mon monde, le Sénat, qui a un leader qui est le président, même parce que c'est mon monde, c'est le président, je ne parle pas de la personne, le président du Sénat, pour nous mettre ensemble, je dois dire, avant journée, si population, mais si décision nous prend, pour nous retirer Claude Joseph côté lié là, et éventuellement gouvernement de transition, pour lui initier une enquête, pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mounsayo, il paye pour faire ça, et M. Claude Joseph, s'il n'y a pas pris même aujourd'hui à lire à l'école, tranquillement, pacifiquement, lui-même tout, pour lui derrière les barreaux, pour usurpation de titre, parce que son crime lié, le monde pour coup d'État. Merci, sénateur Bima. Merci, monsieur, pour l'opportunité. Bonne journée, bon travail. Ok, sénateur Steven Benoît Robertson. Sans stress. Et qui t'a pas éclairé, je parlais, qui en nous mettait.